deuxième semestre, c'est quoi? C'est le deuxième semestre de la deuxième année. Cinquième semestre, c'est le premier semestre de la troisième année. Et sixième semestre, c'est le deuxième semestre de la troisième année. Donc, après le sixième semestre, vous avez votre licence. C'est L. Donc, le L, c'est ça. C'est pourquoi maintenant, avec le système LMD, on ne parle plus de première année, de deuxième année ou de licence. On parle de licence 1, licence 2 et licence 3. C'est clair, hein? Donc, vous avez licence 3, vous avez votre niveau, vous avez le cycle licence, vous avez votre diplôme. Après, vous continuez. Si vous voulez avoir le master, vous faites alors cinquième semestre. Vous vous rappelez, non? Cinquième semestre, c'est-à-dire que c'est le premier semestre de la première année du master. Ensuite, vous faites huitième semestre. C'est le deuxième semestre de la première année du master. Après, vous faites neuvième semestre. C'est le premier semestre de la deuxième année du master. Après, vous faites dixième semestre. C'est le deuxième semestre de la deuxième année du master. Et après, vous terminez. Donc, après dix semestres, vous avez votre master. Alors, la chance ici, c'est que vous ne faites plus le DEA. Nous, par exemple, nous faisions le DEA. C'est le diplôme d'études approfondies. Ça vous fait perdre trop de temps. Après le master, vous ne faites plus de DEA. Vous faites directement le doctorat. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire le doctorat, vous faites 3 ans pour avoir votre doctorat. Et maintenant, il n'y a plus de doctorat de troisième cycle et de doctorat d'État. Nous, ce que nous faisions de notre temps, il faut faire 2 doctorats. Le doctorat de premier cycle, c'est comme avant, hein, il y avait pour le bac, il y avait la première partie et la deuxième partie. Michel Maire, peut-être vous connaissez, il y avait la première partie et la deuxième partie. Voilà, avant aussi pour le doctorat, il y avait la première partie et la deuxième partie. C'est le doctorat de troisième cycle et le doctorat d'État. Maintenant, il y a un seul doctorat. Il y a un seul doctorat. Donc, après le master, vous faites 3 ans, vous avez le doctorat. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, attention, avec le système LMD, vous avez des systèmes de, vous avez des systèmes de compensation. Mais ça se fait à l'intérieur des UE. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un élève de première, pour passer en terminale, il a besoin juste d'avoir une moyenne de 10. On se comprend, hein? S'il a 10, il passe en terminale. Bon, il peut avoir 0 en mathématiques, 0 en français et avoir quand même la moyenne de 10. C'est possible, non? C'est possible. Il a 0 en maths, il a 0 en français, mais partout ailleurs, il a 18. Les 18 qu'il a là, les 18 en histoire, géographie, 18 ailleurs, ces 18 lui permettent de compenser. Est-ce qu'on se comprend? De compenser les autres, d'avoir 10 et de passer. Alors, avec le système LMD, ça ne se passe plus comme ça. Quand vous compensez à l'intérieur d'une UE, mais vous ne pouvez pas compenser. Par exemple, on dit qu'il y a une UE langue. Mettons, l'un d'entre vous fait fait sociologie. L'un d'entre vous fait sociologie. Quand vous faites sociologie, vous avez une UE langue. UE, c'est unité d'enseignement. Unité d'enseignement. Unité d'enseignement langue. Où l'étudiant fait anglais, l'étudiant fait espagnol et l'étudiant fait wolof. Parce qu'on vous demande de choisir une langue nationale. Vous pouvez choisir wolof, alpula. Donc, mettons, vous avez 3 langues. Anglais, espagnol, wolof. D'accord? Ici, si vous avez en anglais 3, vous pouvez compenser après avec le wolof ou avec le français, mais à l'intérieur juste de langue. Mais vous ne pouvez pas compenser les enseignements de sociologie avec. Je ne sais pas si vous voulez dire. La compensation se fait au niveau des langues seulement. Mais ça ne se fait pas. Et est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Parce que vous allez avoir une unité d'enseignement langue. Donc, si vous n'êtes pas fort en anglais, mais que vous êtes fort en espagnol, ça peut aller. Mais ça, si vous faites, par exemple, UE, sociologie des organisations. Donc, vous avez UE, sociologie des organisations. Dans UE, sociologie des organisations, vous avez le module histoire de la sociologie, vous avez le module sociologie du travail, et vous avez le module sociologie industrielle. Donc, vous avez ces 3 modules. Dans sociologie des organisations. Si vous avez 0 dans les langues, ça, si vous avez 18 dans les langues, ça ne peut pas compenser votre 0 en sociologie.
Vous ne pouvez compenser les choses qu'à l'intérieur d'une UE. Et est-ce qu'on se comprend comme ça? Donc ça veut dire quoi? Le système LMD nous pousse à être bon partout. C'est ça en fait. Ça nous pousse à être bon partout. Parce que jusque-là, on pouvait faire de petits calculs. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais je suis excellent en français, je peux m'en sortir. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Vous êtes obligé d'être bon partout pour vous en sortir. Alors, maintenant, comment faire pour être bon partout? Premièrement, il faut savoir bien choisir. Parce que le problème que nous avons avec les bacheliers, c'est qu'ils ne savent pas choisir. Ils ne savent pas s'orienter. Le plus souvent, on suit la masse, quoi. On dit tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait droit, donc moi aussi je vais faire droit. Alors que je n'ai pas des prédispositions en droit. Je sais que j'ai des prédispositions en arabe. Je signale que vous pouvez continuer vos études supérieures en arabe à l'université. Hein. Il existe un département d'arabe à la faculté des lettres. Mais si vous êtes bon en arabe, votre orientation c'est arabe. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas dire, moi je suis bon en arabe, mais je ne vais pas faire arabe. Je vais faire une discipline parce que tout le monde fait ça. Ça sonne beau, je vais suivre alors que je n'ai pas des prédispositions. Donc, première chose, il faut savoir bien choisir. Il faut savoir bien choisir. Deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'une fois que vous êtes à l'université, ce n'est plus comme le lycée un peu. Parce qu'au lycée, vous êtes encadré par le prof, vous êtes suivi par le prof. À l'université, vous êtes un peu plus indépendant. On vous donne un peu plus de liberté. En réalité, votre formation, c'est vous-même. Alors, ça suppose que l'étudiant fréquente les bibliothèques. Ça suppose que l'étudiant soit sur le net. Et là, nous avons des problèmes. Parce qu'avec le net, on peut apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, Nian? Quand vous avez votre téléphone portable, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Hein. Vous allez sur Google, vous apprenez beaucoup de choses. Mais on ne vous demande pas, quand vous êtes étudiant, de prendre votre téléphone portable et d'être sur Snapchat, d'être sur quoi? Sur WhatsApp, etc. Non, il faut aller sur Google et chercher la connaissance. Vous devenez indépendant. C'est à vous-même de commencer à chercher. Dernière chose que je vais dire, monsieur le modérateur, avant de donner la parole, c'est les modèles. Pour réussir, il faut avoir un modèle. Gis nga nit, pour mu yegg, fo mu bëgg yegg, il faut mu am roy way. Nit day am roy way, pour nga mëna yegg, fa nga bëgg yegg, da ngay am roy way. Il faut avoir un modèle, il faut avoir un référentiel. Vous dites, moi, je vois quelqu'un qui est excellent dans une discipline que je suis en train de suivre. Ce quelqu'un-là, je vais tout faire pour être comme lui ou alors même pour le dépasser. C'est ça, en fait, il faut se donner un modèle. Mais malheureusement, nos jeunes, de plus en plus, bon, leur modèle, c'est pas vraiment des modèles. Moi, je suis des modèles de déviance. Ils vont prendre des insulteurs et dire que c'est leur modèle. Je ne sais pas si vous voulez dire où ça se passe. Mais Roy Way de Femme Solo. Vous faites que les deux ni man, damay jang droit. Te dama bëgg nek un grand juriste dans le monde. Gani kat Ibrahima Fall, xawma ba xam ngeen professeur Ibrahima Fall. Professeur Ibrahima Fall. Wa koy professeur Ibrahima Fall, ngani koku sama modèle. Professeur Ibrahima Fall, professeur droit la won fi. Après mu nek ministre fi dans ce pays. Après, il est dans le système des Nations Unies. Un grand juriste reconnu dans le monde entier. Alors, Ngadi, qui, c'est mon modèle, là, je veux être au même niveau que lui. Ou alors même le dépasser. Nit da ngay am modèle. Qu'est-ce qu'on a constaté, monsieur le maire? Moi, je suis prof à l'Université de Dakar. Je suis au département des psychologues conseillers. On a constaté qu'à l'université maintenant, franchement, c'est les filles qui réussissent mieux que les garçons. C'est ça la vérité. Où ça, je ne sais pas comment ça se passe dans vos écoles. Ils font les meilleurs résultats. Vous avez vu, même au baccalauréat, hein, les mentions très bien, etc. C'est les filles. Hein. Je connais une fille de Dand qui a eu la mention très bien. Et en série S, s'il vous plaît, on n'a pas vu un garçon en série S1, etc. avoir la mention très bien. Vous savez pourquoi? Parce que les garçons, maintenant, c'est le football. Football rec. Mais football rec, Messi, etc. Bon, je ne suis pas en train de dire que le football, c'est pas bon. Il faut suivre le football. Mais l'unique acteur, il faut aussi se dire que j'ai un avenir à préparer.
j'ai la licence, le master, le doctorat à faire. Té lol nak pour ma def ko, il faut que j'allie les deux. J'ai besoin de me distraire, c'est vrai. Mais il y a des moments où il faut se concentrer sur les études. Tu vois un élève qui apprend sa leçon, un match commence, il ferme son cahier et il va tout de suite regarder le match. On va bientôt vers la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être un grand problème pour nos élèves. Ils vont plus se concentrer sur les cours. C'est ça que je veux dire. Donc, il faudra aussi se concentrer sur ce qu'on a à faire. Se dire que j'ai un objectif et je dois aller vers la réalisation de cet objectif. C'est cela qui est le plus important. Les filles, c'est déjà bien. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous êtes en train d'inverser la tendance. Vous êtes en train de faire les meilleurs résultats. Il faut rester dans la même tendance. Il ne faut pas changer de dynamique. Vous avez le bac. Le bac, après l'euphorie du bac maintenant, la réalité revient. Après le bac, on est content, on est euphorique, mais après la réalité est là. Maintenant, il faut affronter la réalité. Donc, gardez la tête sur les épaules et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Les garçons, vous aussi, donnez-vous un modèle. Oustas, c'est un modèle. Je dis, je vais faire comme Oustas, ou je vais même aller plus loin que Oustas. Mais pour arriver à ça, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire parce que, comme j'ai dit, dans le modèle LMD, vous ne compensez pas comme vous voulez. Ça devient très compliqué. Il faut être bon partout. Il faut être bon partout. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le modérateur, comme contribution dans la présentation du système LMD. Je vous souhaite un excellent parcours universitaire. Peut-être que je rencontrerai certains d'entre vous à l'université dans les départements où nous sommes. Mais en tout cas, bonne continuation et excellente réussite dans les études. Merci beaucoup. Yi bari fim nek ni gis ngeen U4 ubegul ñeneen ñi ci dess aussi pratiquement ils n'ont pas eu les moyens de rejoindre les écoles. Vu cette situation, nous jugeons nécessaire en tout cas de les accompagner, nos frères et sœurs. À pareille situation, les moyens font défaut, donc nous serons vraiment dans l'obligation de les accompagner puisque nous nous réclamons tous les jours comme ambassadeurs de la jeunesse, ce qui doit apporter un soutien positif à leurs frères et sœurs. Moi, t'as connu une tamit, une à chaque fois, l'ultimement de chaos, de l'un des flotteurs, de bloquer son immeuble, décarcasser pour m'en accompagner son élève étudiant. Kon donc tay xamna duñ ko dal leen wax juste ni accompagnement bi nga xamanteni tay wala contrat fidèle bi nga xamanteni à chaque fois mo ñuy lié ñi ngi koy rafetlu bu baaxa baax leen wax ni ñun sawar nañ ci liggéey la commune de Diender ndax ay brave homme ño fi nek ñu gëm seen bop ño fi nek ñu bëgg aussi li def ño fi nek kon da leen jaajeufal baax leen sante leen gërem assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons fait à travers les étudiants. Je suis jeune, je suis une bonne génération. Je suis encadré, je suis encadré, je suis poursuivi. Je suis en train de me faire pour le développement de l'éducation de l'éducation. C'est mon objectif. Et j'ai eu à signer des conventions avec des universités à l'extérieur. J'ai eu à signer des conventions avec des lycées à l'extérieur. J'ai eu à signer des conventions avec des centres hospitaliers à l'extérieur. Donc, l'olieb, vous m'avez fait, pour moi, parce que moi, nous en avons plus besoin.
li fi ñew ñuko fi andi diko jole extérieur du pour man pour les élèves pour les étudiants et pour la jeunesse donc nañu fexé collaboration yoy di am dinañ ci liggé ak étudiants dinañ ci liggé ak AED de telle sorte que dina am ay jumelage yo xamantani ci dinañ am avec l'AED Jenner ak AED yo xamantani dinañ nek à l'international parce que yoy yep teug na ko ci bir convention yi protocole bi sur place dina ci jox copie le président de l'AED bu ko defé ñu xam né tout ce qui se passe à l'extérieur tout ce qui se passe au Sénégal defaw ñu ko lén lu dul la jeunesse lool la amone aussi dina ko léral di len wax né jëm len gor gorlu ñun ñu ngi seen ginnaw di len jappalé lepp lu ngeen soxla nu mu mëna doon nek ay le courage dañu la dire luñ ci man ñu def luñu ci mënul aussi ñu wuti ko fenen lool la xamantane ci dina ko expliquer di len féliciter pour les étudiants jëw rek. Le discours que je vous adresse n'est pas à caractère politique. Il est plutôt galvanisant car nous savons parfaitement que la situation précaire dans laquelle l'enseignement supérieur s'est gaufré actuellement. Je souhaite que vous sachiez qu'en étant jeune, le meilleur investissement pour un développement durable de notre société débute par la formation et l'acquisition des connaissances. Ces notions fondamentales, allez les chercher à l'université, dans les grandes écoles, les instituts de formation, auprès d'éminents enseignants, des professeurs, dans les établissements renommés du pays ou même à l'étranger, s'il est possible et envisagé. Afin de bénéficier des programmes scolaires d'approfondissement et d'élargissement des connaissances nouvelles. C'est dans cette perspective que c'est inscrit M. le maire pour avoir offert aux élèves et étudiants 300 bourses de formation de son partenariat avec Sen Info de M. Tchanel Gueye ici présent. Tout ceci et tout cela pour que Jender soit en dynamique de progrès. Tout d'abord en passant par la jeunesse et l'éducation. En parlant de jeunesse et d'éducation, je remercie le maire Amadou Mam Diop de son engagement à côté des étudiants et des jeunes en général. Nous devons cet événement grâce à ses libéralités. C'est un véritable mécène, quelqu'un de munificence royale. Son amour pour Jender est une frénésie. Il est prodigue de son sang, de son temps et de ses biens pour que la commune de Jender soit en dynamique de progrès. Chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, avec un réel plaisir, avec d'émotion, que je m'adresse à vous. Tout d'abord, permettez-moi de saluer et de rendre un vibrant hommage à tous ceux et celles qui sont présents à cette journée aussi bien qu'essentielle qu'importante. L'AED est tellement heureux de recevoir ces nouveaux bacheliers, des jeunes brillants, conscients et prêts à plonger dans un univers nouveau et stimulant. En fait, cet univers qui est différent de ceux déjà connus des années précédentes définit vos lendemains professionnels. Chers étudiants et étudiantes, et voilà dans les tares marques de la cohérence, de l'objectivité et de la scientificité, je veux citer l'université dans sa globalité. À cet effet, l'université est l'univers où seule l'excellence a le droit d'y être citée. Dans le milieu universitaire, il faut que vous soyez constamment à la quête perpétuelle de l'excellence si vous voulez un jour réussir, car les précédents n'y ont pas leur place. L'université n'est pas un lieu où vous devez faire preuve de pédantisme, exposer son savoir, mais plutôt un lieu de cultiver l'humilité, de nourrir le travail. Mais malheureusement, la plupart des étudiants arrivent à l'université en gardant à l'esprit leur performance académique, c'est-à-dire au CM et au lycée. Ce qui constitue une erreur monumentale, car les deux systèmes sont diamétralement opposés. Chers étudiants, chers nouveaux, si en terminale vous aviez terminé, alors à l'université, vous devez, à défaut de continuer, tout recommencer. En effet, la réussite à l'université est plus une question d'adaptation et de rigueur que d'intellectualisme. C'est une question d'endurance, de persévérance et de travail. Par conséquent, vous devez maintenant vous préparer davantage d'ores et déjà à manifester votre amour et votre volonté pour la réussite tant attendue de vos études.
De ce fait, il est important de distinguer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire réellement. Dans ce cas, il faudra par l'élimination de choisir l'essentiel, de se débarrasser des choses inutiles qui perturbent vos études afin de projeter vers la satisfaction, la plénitude. Ne jamais attendre qu'on vous donne tout, car à l'université, c'est la loi dit tout dans le peu, qui règne et non l'ivresse, croyez-moi. Mesdames, messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, vous êtes sans savoir que la réalité du système universitaire non maîtrisé par la plupart des étudiants est en général un des facteurs de la décadence des résultats, car le système LMD, licence, master, doctorat, qui dicte l'enseignement supérieur dans sa globalité. Pour surplomber tout ceci, il faudra que vous soyez proactif et non réactif, c'est-à-dire d'agir dans l'anticipation et non dans la création, et vous ferez vous-même plaisir de la découverte de nouvelles idées. Comme on l'entend souvent dire, le cerveau, à l'instar du parachute, fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Ici, une sorte de dualité magnifique en votre personne se dessine, l'une exclusivement personnelle et l'autre émanant de la volonté manifeste des enseignants. Dans les deux cas, les étudiants sont appelés à chérir leurs enseignants qui leur transmettent des connaissances. Il en est de même pour ces éducateurs de vous booster à surpasser et à accroître votre compréhension de l'univers. Quel que soit votre domaine d'études et quel que soit votre cheminement par la suite, je suis impatient de voir comment vous allez aider à frère à créer une commune toujours plus avertie et plus bienveillante, au sein de laquelle nous pouvons tous travailler ensemble pour le bien de la collectivité. Sur ce, j'aimerais vous donner trois conseils que vous pourriez suivre pour accomplir n'importe lequel de vos buts. Apprenez. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'apprentissage se fait tout au long de la vie et que nous devons chercher à accroître nos connaissances là où l'occasion se présente. Deuxièmement, faites du bénévolat. Découvrez votre collectivité et aidez ceux qui sont déjà dans le besoin. Vous ne serez pas déçus par les résultats. Et enfin, troisièmement, prenez et rêvez grand, car l'avenir de la commune dépend de notre façon de concevoir des idées et des technologies nouvelles. Mesdames, messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, je voulais terminer ce discours par remercier tous ceux qui ont répondu présent et qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Nos remerciements à l'endroit de nos partenaires, nos élites, des conférenciers et de tous les autres invités, sans oublier ceux qui ont contribué financièrement ou matériellement. Mention spéciale à ces valeureux fils du Diander, des hommes de l'ombre qui se sont donné corps et âme pour porter le flambeau de l'AED toujours en haut. Continuons ensemble à poursuivre et à perpétuer ces efforts et sacrifices consentis à travers la ligueur, l'assiduité et le sérieux, la compétence et l'engagement sans relance en amont, interne comme externe, en avant durant ces dernières années pour préserver le statut de l'association. Soyez-en vraiment remerciés et que l'étendard de l'AED soit, avec chaque année, porté plus haut dans le firmament. Merci beaucoup. Content vraiment si journée d'intégration bien maintenant les membres étudiants est organisé. Nous avons tous des AED, association des élèves et étudiants du Diander. Nous, mashallah, nous sommes un rôle. Parce que comme nous les étudiants, c'est la crème de la société. Nous avons donné l'exemple, nous avons donné, nous avons donné, nous avons donné, nous avons donné,
part pour dem développement, pour dem émergence, pour que une société manam tioné wacc eko pour que defé liguey bi jëm kanam lepp jëm kanam kon ñu contane bu baaxa baax Babacar. Non, am satisfaction, content d'être ici, étudiant, parce que vraiment, c'est une première. Comme Nico Mamma waxé, c'est une première c'est agglomération. Donc, def nañ lo xamantani ci lu musul am jenner la, té loolu lañu ñaan ñukay def à tout un instant. Lan nga wajal étudiant yi amna lo ma digoon? Non, étudiant yi mom déjà mayna ay bourse 70 bourses, déjà mayna len ko tay. Benen bi aussi am nañ ay machine yo xamantani ci c'est à leur disposition. Benen préparer nañ ay projet yo xamantani ci ensemble, inshallah d'ici peu de temps rek ñom dinañ ko dévaloriser sen bop comme ça ñu mëna xol ñu ko extérioriser. Ginnaw bourse yi ak yu mel nonu lan la maire bi waj pour accompagner ko association étudiant yi parce que ñom wax nañ ma ni ma sen feulé na lañuy fayé ko ak yoy am nañ fa ay jafé jafé lan la fa maire di waj. Non non instant yi pour lolu il y a un changement parce que man bi may ñew ma ngi fekk à 3 millions et je l'ai ramené à 5 millions. 5 millions aussi li ci gëna mucc ay moy légui yenen université yi nga xamantane nek nañ ci yenen région yi sax lolu ci 5 millions lañ bok te d'ici peu de temps rek dinañ organiser ben journée de cérémonie de partage comme ça ce sera au visuel.